Bienvenue à l'émission Crois-tu? Qu'est-ce qui pourrait bien caractériser votre vie? Celle de mon invité a été caractérisée par une recherche, et pas n'importe quelle des recherches, la recherche du salut, de la délivrance. Sachant qu'il était pécheur, il chercha à tout prix de s'en sortir. On va entendre la suite de ce témoignage. Je vous présente mon invité d'aujourd'hui, M. Gilles Douville. Gilles, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour tout le monde. Alors, parle-nous un peu de ton enfance. Tu es natif d'où? Moi, je suis natif de Granby, la belle ville de Granby. Je suis venu au monde le 18 janvier 1940. J'ai une famille de 4 enfants. J'ai eu une sœur. Une troisième sœur, c'est 3 ans plus jeune que moi. Et on demeurait dans un beau petit quartier sur la rue Racine à Granby. Et j'étais bien entouré. Mes grands-parents maternels étaient au deuxième étage et ma tante, la sœur de ma mère, avec sa famille, était à notre droite, dans la maison à droite. Alors, j'étais bien entouré et il fallait que ça soit bien entouré parce que j'étais un fugitif. Oh! Oui, j'étais turbulent. Il fallait m'attacher. On m'attachait pour ne pas que je parte parce que si on m'échappait, c'était fini, là. Je partais, je m'en allais. Alors, ma mère me sortait sur la galerie à l'avant, puis elle m'attachait. Et j'étais populaire, mes amis. Lorsque les femmes se promenaient sur le trottoir, ils s'arrêtaient, ils venaient voir le beau petit bonhomme aux cheveux longs, blonds, aux yeux bleus. Oh oui, ils s'arrêtaient. J'étais jeune, là, 2 ans, 3 ans. Et oui, j'étais populaire. Eh bien, dis donc, alors il fallait t'attacher vraiment là pour que tu puisses rester. Je fuyais. Je fuyais. Je faisais des fugues. Et la cour arrière était clôturée. Et lorsqu'on me plaçait à l'arrière, bien là, j'étais un peu dans mon élément, puisque j'avais mon carré de sable avec mes jouets, mon tracteur, ma pelle, mon râteau, enfin, toutes les petites affaires, les balançoires, j'avais tout ce qu'il fallait. Un jour, maman m'appelle, puis Gilles ne répond plus. Elle sort dehors, elle vient me chercher, Gilles était disparu. Je l'avais creusé sur la clôture avec sa petite pelle. Puis il s'est faufilé, il est passé. Puis il est parti. Oh, mes amis, la brigade d'Allure Racine s'est mis en. Oh, il y avait un fugitif, il y avait quelqu'un qui s'était évadé. Puis là, on faisait des recherches, puis on demandait à tout le monde si on n'avait pas vu un petit bonhomme se promener ici et là. C'était pas drôle, hein? On m'a trouvé, mes amis. Vous savez quoi? On m'a trouvé dans une église. Une église neuve. Un nouveau quartier qui venait de se développer à Granby. Et ma mère m'a posé la question, Gilles, quand la disons que tu es venu ici? Et je lui ai dit, maman, je suis venu voir Jésus. On parle, là, j'avais 2-3 ans, là. On parle dans les années 42-43, là. À l'époque, on priait Marie. On avait des statues de Marie, puis de Saint-Anne, puis de... Enfin, et c'était la croyance. À l'époque, la majorité des Québécois étaient comme ça, ils croyaient à ces choses-là. Mais moi, je suis venu voir Jésus. Et je me posais souvent des questions. Je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas. Et vous savez quoi? C'est pas facile lorsqu'on cherche quelque chose. On est toujours dans un état d'insécurité parce que tu n'as pas trouvé ce que tu cherches. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. Mais oui. Tu cherches pareil. À l'âge de 5 ans, nous sommes déménagés à Quartierville. À Montréal. Oui. À Montréal. C'est sur l'île, en tout cas, que Quartierville, c'est la belle île de Montréal. Oui, mais à l'époque, Quartierville était éloigné. Oui, dans l'ouest. Et à l'âge de... Un an plus tard, on s'est en allé dans Montréal, sur la rue des Arabes à Montréal. Là, en centre-ville. Tout près de la rue Rachel, dans ce coin-là.
Et ça m'a affecté énormément. Je suis tombé malade. J'étais anémique. Les taches des poumons. J'avais perdu mon environnement. J'avais perdu mon monde. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Alors, mes parents ont décidé de s'en aller à la campagne. Le médecin a dit on ne l'échappera pas. Mmh. Allez-vous-en à la campagne. On s'est allé dans la petite ville de Saint-François-de-Sales, à Laval, juste en face de Terrebonne. La rivière des Mille-Îles qui nous sépare un et l'autre. Une petite place, la campagne, qui n'a rien à faire là. Mais par contre, ça m'a donné tout ce qu'il fallait pour me relever. Là, j'ai commencé à jouer au hockey, j'ai commencé à aller à la pêche, j'ai commencé à aller à la chasse. C'était le commencement de ma vie, là. Je bougeais, mais j'étais toujours à la recherche de quelque chose. Je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas. Un jour, j'ai été au cinéma à Terrebonne parce que Saint-François, il y avait deux épiceries, un dépanneur, le bureau de poste, l'école puis l'église, c'est tout, là. Alors, j'ai été à Terrebonne. Un beau petit village. Mon cher Gilles, là, on va prendre une courte pause. Et on sait que tu es à la recherche de quelque chose, fait qu'on garde ça en mémoire. Oui, après la pause, on revient avec toi pour la recherche. Oui, oui. C'est bon. Oui. OK. La suite de la recherche après la pause. Parfait. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croitu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir. Qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Juste avant la pause, là, tu nous disais que tu habitais un beau petit village, mais là, tu vas aller à Terrebonne pour aller au cinéma. Puis, il y a toujours en arrière-plan cette recherche de quelque chose dont on ne sait toujours pas quoi. OK, alors, je vais à Terrebonne, je vais voir un film. Le titre, c'était Covadis. Lorsque je suis revenu de là, j'avais découvert quelque chose. J'avais découvert qu'il y avait des personnes qui étaient identifiées sous le nom de chrétiens. Moi, j'étais catholique. Il y en a qui étaient des chrétiens. Et j'ai dit à ma mère, à ce moment-là, j'ai dit, maman, moi, j'aimerais ça être un chrétien. Je voyais une différence entre les deux. J'ai vu ces gens-là qui souffraient pour le Seigneur. J'ai vu des choses qui m'avaient marqué. Mais encore là, je recherchais toujours quelque chose. J'avais trouvé quelque chose. J'avais trouvé une identité, un peuple. Il y a quelque chose qui se passe là. Alors, je continue ma vie. À l'âge de 17 ans, je commence à travailler pour la compagnie Hunter Douglas, qui existe encore aujourd'hui, les stores vénitiens Hunter Douglas, qui a changé de nom. Aujourd'hui, ça s'appelle Gentech, compagnie de tambour d'aluminium. Là. Et j'ai fait ma vie là, mais à l'âge, en 1970 plutôt, on a fait entrer le syndicat chez nous, le syndicat travailleur canadien d'automobile. J'ai été élu président à ce moment-là de mon groupe. Et l'an suivant, il y a eu des élections au sein du local, un local amalgamé d'une vingtaine de compagnies. On m'a nommé vice-président du local. Alors, je rends gloire à Dieu pour ça parce que c'était une formation pour moi à l'époque. Alors, on a cheminé là-dedans et j'allais au congrès de la FPQ parce qu'on était affilié à la FPQ. Je travaillais là-dedans, mais je recherchais quelque chose. Il y avait toujours quelque chose en moi qui disait que ce que je faisais, c'était bon, mais
mon vide là, était toujours là. Mm. Je cherchais quelque chose. Peu importe les titres, les positions, les œuvres que tu accomplissais, il y avait toujours ce vide à l'intérieur. Il y avait toujours ce vide. Et je croyais. Je croyais, j'étais un homme croyant. Lorsque je prenais l'avion, par exemple, je disais, si ça tombe, si ça fait bon, moi, je vais dire, hey, Dieu, sauve-moi. Tu sais, j'avais cette pensée. Je me sentais coupable aussi parce que je savais que j'étais pécheur. Je faisais de bonnes choses. Mais ce que je faisais, c'était des choses temporaires. Je négociais une convention pour 3 ans. 3 ans plus tard, on commençait, puis on enlevait, puis on ajoutait, puis ainsi de suite. C'était pas du solide, là. On vit toujours sur un sol mouvant. Alors, la fondation n'est pas forte. Alors, je cherchais toujours. En 1900, dans les années 77-78, j'ai été au congrès de la FPQ. Et après le congrès, ça dure une semaine de temps, je demande au président du local qui était avec moi si on ne pourrait pas rester une journée de plus. Au lieu de partir le vendredi, on va partir le samedi, on s'aime tranquillement. Oh, il dit oui, Gilles, on va prendre une journée de plus. On va garder notre chambre une journée de plus. Ça fait qu'on est sortis pour se faire ensemble. Il y avait 2 femmes qui regardaient un menu de restaurant. Moi, je dis, hey, c'est bien, on va aller les voir. Puis, si elles sont d'accord, bien, on va aller souper avec elles, puis on va placoter. Alors, les 2 femmes disent, oui, t'as 2 Gaspésiennes. Alors, il y en a une qui s'appelait Raymond Poirier. Alors, ça cliquait, moi, puis Raymond. Hein? Ça cliquait, puis on se téléphonait, puis on se parlait, puis tout ça, à un moment donné. Vous avez gardé contact? Oui. Elle dit, Gilles, elle dit, mais tu n'es pas ton tour en Gaspésie. Je dis, j'aimerais ça. Alors, elle dit, tu vas venir chez ma soeur Suzanne. Elle dit, elle a une soeur jumelle aussi, elle s'appelle Diane Poirier. J'ai dit, ah oui, j'ai dit, je vais aller voir les jumelles. Alors, je suis descendu là-bas. Et ces deux jumelles-là étaient chrétiennes. Ce que j'avais entendu parler, je les avais devant moi, là, 2 chrétiennes. Mais je trouvais ça difficile, ce qu'elle me disait. Est-ce qu'elle me disait plutôt? Je trouvais ça difficile. À chaque fois que j'y allais, on me parlait du Seigneur. Pas parce que j'étais contraire, pas parce que je ne voulais pas voir le Seigneur, mais je trouvais ça prétentieux. J'ai dit, Raymond, j'ai dit, vous êtes prétentieux, tu ne trouves pas? Vous me dites que vous savez comment faire pour aller au ciel. Voyons, personne ne peut savoir ça. Et ça, je ne captais pas le message. Alors, ça a été long, ça a été difficile pour elle aussi, parce que moi, j'étais un négociateur. Ouais, je négociais. Alors, c'est pas facile. Je voulais toujours avoir raison aussi. Alors, c'était très, très, très difficile pour ces femmes-là et difficile pour moi aussi en même temps. Mais mon cher Gilles, c'est après la pause qu'on va savoir comment que ça aboutit, cette négociation-là. Là, toi, en tant que représentant de syndicat, tu avais ça en toi, là, ça bouillonnait. Fait que tu voulais négocier avec ces dames-là. Mais après la pause, la suite, puis j'aimerais avoir la conclusion de cette négociation. Je vais essayer de faire ça. OK. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre!
Gilles, te l'a rendu, toi, en Gaspésie, rencontrer des dames avec qui tu es sur. Bon, tu es en train de négocier, toi, au sujet de l'Évangile, parce que tu as du sang là, de négociateur, de syndicaliste dans toi. Là. Comment ça se passe, cette rencontre? Alors, comme je disais, c'était difficile. C'était très difficile. Elle avait une nièce, Danielle, qui s'appelait. Et c'est évident que les jumelles, même le monde, parlaient du Seigneur à la nièce. Je l'ai pris à part, j'ai dit, écoute, Danielle, j'ai dit, on est des catholiques depuis toujours. Je dis, ta mère t'a dit de rester catholique, tu devrais peut-être écouter ta mère. Puis en fin de compte, Danielle s'est convertie. Elle a accepté le Seigneur Jésus, elle aussi. J'ai dit, là, j'ai dit, il y a quelque chose là. Mais je ne savais pas où me placer dans toute cette histoire-là. Un jour, moi, je demeurais à Batubolo, un jour, Raymond s'en allait à Ottawa, puis elle s'est arrêtée chez moi. Et en passant, elle s'arrête chez moi, et je lui dis, Raymond, tu es toujours la bienvenue chez nous, mais si tu me parles de l'Évangile, je te mets dehors. Parce que j'avais pris une décision. J'étais troublé. Puis je me suis dit, hey, moi, là, je travaille tous les jours, ça, je fais une bonne vie, titi, tatata. Je me trouvais correct. Alors, j'ai dit, je te mets dehors. Elle a dit, c'est correct, Gilles. Elle a dit, je vais te respecter. Elle a dit, je viens seulement prendre un café. Je lui sers un café, puis on parle ensemble. Mais avant de partir, j'ai dit, Raymond, veux-tu me donner un verset? Elle a dit, je vais t'en donner deux, Gilles. J'ai dit, oui. Elle a dit, oui. Elle a dit, je vais te donner, Romain, 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah, ben, j'ai dit merci. Mais ça m'a resté dans la tête, ça. Puis elle dit, je te donne aussi Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé Gilles, Diane, elle a m'en nommé des noms, là. Tous les noms. Il a donné son fils unique, Jésus-Christ, comme sauveur du monde, Jésus comme ton Seigneur personnel. Alors, je l'ai regardé, puis ça m'est resté ça. Ça m'est resté dans la tête. Et mes amis, lorsque je me suis couché le soir, j'ai eu des problèmes, de gros problèmes. Parce que là, je voulais me donner au Seigneur. J'avais un fardeau de culpabilité sur moi. Et j'essayais de toutes mes forces de me donner au Seigneur. Parce que ce verset qui dit peut-être que je me confesse au Seigneur, mais restez en moi. Je voyais Jésus sur la croix, puis là, je comprenais, il s'est donné pour moi. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour tout le monde, ce verset-là. C'était pour moi, ce verset-là. Alors, je voulais me donner au Seigneur et je me forçais et je n'étais pas capable. Ça a dû durer au moins gros 15 minutes. J'étais tout en soeur, je forçais, je voulais, j'ouvrais mon cœur. Et après tout ce temps-là, mes amis, j'ai crié au Seigneur. Ça a sorti et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es mort sur la croix pour moi. À cause de mes péchés, que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, je me confesse de ça, et de tous mes péchés passés, présents et à venir que je ne connais pas. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et là, j'ai continué à prier.
J'ai tout donné au Seigneur. J'ai donné mon emploi, j'ai donné mon argent, j'ai donné mon auto, j'ai donné mes enfants, j'ai donné mon épouse. J'étais divorcé à l'époque. J'ai donné pareil mon épouse, j'ai donné mes parents, j'ai tout donné. J'ai donné ma vie, mes amis. J'ai donné ma vie, j'ai tout donné au Seigneur. Et là, je me suis mis à le supplier, utilise-moi. Utilise-moi, puis le temps que je connais, ne permet pas que cet outil qui est entre tes mains rouille. Utilise-moi. Et la gloire à Dieu. Je dis ça là, puis gloire à Dieu. Le Seigneur m'utilise encore aujourd'hui. Ça fait 42 ans que je suis au Seigneur. Il ne m'a jamais lâché, il ne m'a jamais déçu. Il a toujours été à mes côtés dans les bons comme les mauvais moments. Puis je sais qu'il ne lâche jamais de sa vie. Jamais de sa vie. Et il ne faut jamais oublier un verset qui est très important. Et ce verset-là, je vais le donner dans mon témoignage. Jésus dit, je suis la porte. Jean 10, non, je crois. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera, il sortira, il aura du pâturage. On va être libre. Puis l'autre verset, il dit, je me tiens à la porte. Apocalypse 20, je me tiens à la porte et je frappe. Ça, c'est la porte de nos cœurs, mes amis. Le Seigneur se tient à la porte de nos cœurs. Puis il dit, celui qui ouvre la porte, pas qu'il l'entrouve, qui ouvre la porte, ouvre ton cœur grandement, puis dit, Seigneur, viens vivre en moi, puis il va entrer, puis il va vivre en toi, puis il va monter au ciel, puis tu vas vivre l'éternité avec Jésus, dans sa gloire, dans son amour, dans sa paix. Ça va être merveilleux. Mon cher Gilles, garde-toi-en un peu parce qu'on a une courte pause, puis il faut revenir après. Il faut que tu aies d'autres choses à nous mentionner concernant cette belle invitation du Seigneur Jésus-Christ d'aller vers lui et d'obtenir ce que tout être humain recherche, c'est-à-dire une assurance de vie éternelle. Après la pause, Gilles. Oui. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre! Alors, on voit que tu en es rempli, là. Tu as encore quelques minutes pour dire à nos téléspectateurs que doivent-ils faire pour répondre à cette belle invitation, comme toi-même, tu l'as fait un jour. Oui, alors j'étais à la recherche et j'ai rempli mon vide. Ce vide que le monde a, ils ne sont pas capables de remplir avec de l'argent, des voyages, une foule de choses, là. Ils ne sont pas capables de le remplir. Parce que ce vide-là, à une forme spéciale, à une place spéciale. Et c'est la place pour le Seigneur Jésus, le sauveur du monde. Et ce sauveur-là est accessible à tout le monde, sans exception, tout le monde. Et le Seigneur veut que tout le monde parvienne au salut, c'est-à-dire le Seigneur il veut que tout le monde puisse le recevoir comme le Seigneur et sauveur personnel. Alors, mon témoignage, fait en sorte que ce que le monde puisse savoir, que Jésus-Christ les aime inconditionnellement. Approchez-vous de vous, il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui, il va s'approcher de vous. Il est auprès de vous, il ne vous lâchera jamais. Actuellement, le monde est sous l'influence de Satan, ça tout le monde le sait. Mais peut-être pas tout le monde, mais aussi aujourd'hui. Il est sous l'influence de Satan, à partir de notre naissance.
On est sous l'influence de Satan. Jésus ne veut pas que personne puisse mourir dans cet état-là. Parce que Satan, c'est l'enfer. Jésus, c'est le ciel. Il n'y a pas de secret là-dedans. Alors, pour sauver l'humanité, ça prend un sauveur. Et son nom est nul autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur. Et Jésus-Christ est notre seul espoir. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de Joseph, il n'y a rien que ça. Là. Il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de Krishna, il n'y a rien de tout ça. C'est Jésus-Christ qui est le seul, l'unique sauveur du monde. C'est le seul qui est mort à la vue des gens, qui est ressuscité. Ils l'ont vu vivant après sa mort. Il a marché avec eux autres, ils ont mangé, ils ont bu avec eux autres. Puis il y en a environ 500 qui l'ont vu monter au ciel. Ce sont des témoins oculaires. Il n'y en a aucun autre qui a fait ça sur la terre depuis la création du monde. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin du monde. Il est le sauveur du monde. Alors, Gilles, quelle belle invitation que tu fais. Ça me fait penser à ton histoire que quand tu étais tout petit bonhomme, on t'attachait sur la galerie, les poteaux de galerie, parce que tu fuyais, puis on voulait pas que tu ailles dans la rue ou en tout cas qu'il t'arrive un accident quelconque. Alors, on te gardait comme ça, attaché sur le balcon de la galerie. Mais ouais. Les gens, ils sont liés par Satan. Satan veut pas qu'ils aillent au ciel. Et c'est Jésus-Christ qui vient briser la chaîne, hein? Et c'est lui qui peut nous rendre libres, réellement libres, et avoir un accès auprès de Dieu. On a tout simplement à lui demander que oui, donc que le Seigneur vienne briser ces liens du péché dans notre vie qui nous empêchent de l'admirer, de le contempler, de l'adorer comme il devrait l'être et avoir surtout un accès auprès de lui pour l'éternité. C'est gratuit. Alors invoquons-le, dis Seigneur, je suis un pécheur, je ne peux pas m'en sortir par moi-même, mes propres forces, mais toi, tu peux faire de quoi? Agis et fais quelque chose par la foi, je te le demande. Merci encore Gilles, puis j'invite les gens à nous écrire ou à nous appeler, on est prêt à leur donner du temps pour les écouter, comprendre ce qu'ils vivent présentement et répondre peut-être à quelques-unes de leurs questions et écouter leurs commentaires. Et on offre de la littérature gratuite, juste à en faire la demande, entre autres le passeport pour le ciel. Merci Gilles encore une fois et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Crois-tu? Merci. Merci de votre invitation et soyez bénis.